Heureusement, je n'ai pas d'enfant, se dit Yana très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis, comment elle aurait fait avec un bébé comme Pactage? Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage? Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur, mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles, de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. Après 3 mois de périple dans toutes sortes d'embarcations, elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle s'est retrouvée seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. Dans ces nuits, les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugié. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme baillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en haillons. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yana au feu rouge.